Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est quasiment un derby et c'est même une équipe qui jouera à domicile aujourd'hui parce que c'est l'équipe de Chassieux-Tessines Football Club qui reçoit Jeunesse Azur Football. On va s'applaudir dans deux équipes de jeunes qui sont là pour l'Orange Football Challenge. Je vous rappelle ce principe. C'est très simple, à chaque match qu'on est bien à domicile, deux équipes s'affrontent et puis la finale se jouera sur le dernier match anticipé. Parfois, le dernier match de France-Service. Le principe, marquer les buts évidemment en 1 contre 1, c'est le plus rapidement possible contre le gardien de l'équipe adverse. Dans les buts, nous avons aujourd'hui Dylan pour Chassieux Tessines en blanc. Du côté du Virachute, c'est en tout cas dans ce sens-là que vous tirez Chassieux Tessines. Et j'ai l'Anastasieux qui est parti. Avec Brian qui est face au gardien de Chassieux, face à Dylan. Le foot de Diego en blanc pour Tessines. C'est dedans, bravo Diego. Mehdi, le deuxième joueur à s'élancer pour Jeunesse. Face au virage devant, Mehdi qui a pris Dylan en 1 contre 1. Voilà, bravo, c'est parfait pour placer. Alex pour Chassieux Tessines, face à Sébastien, le gardien de Jeunesse. C'est puissant et c'est au fond. Maxence, troisième joueur pour l'équipe de Jeunesse. Voilà, la petite fin qui permet au gardien de se coucher un peu trop tôt. Badis, maintenant c'est lancé face au virage. Badis, il sera juste à côté. Ça, Badis. Younous, elle a toi, Younous. C'est placé, c'est petit filet pour vous, Younous. C'est très propre. Thomas, le quatrième joueur pour Chassieux. Oh là là là. Benjamin s'élance maintenant côté virage. Allez Benjamin, le premier jeu, une belle sortie du gardien de Chassieux. Tour de Maxime. Maxime qui a été privé, va être touché par le gardien. Action pour Albert. Corentin, le sixième joueur, Corentin pour Jeunesse. Ça passe sous le gardien, bravo Corentin. Samir, le tour de Samir face à Sébastien et c'est le petit filet. Tom qui s'élance, qui est dans la surface et qui place, regardez, j'ai pas sorti, c'était beaucoup plus facile pour Tom, bravo à toi. Antoine, le 7ème joueur maintenant. Antoine qui place sa frappe, c'est au fond, on a beaucoup de buts ce soir, c'est parfait. Mathis maintenant, Mathis pour Jeunesse. Bravo Mathis. C'est au tour d'Axel. Allez, Axel s'élance. Il tente de buter, malheureusement trop loin. C'est Emerson qui s'élance face au virage nord, qui va tenter la grosse frappe. Et c'est but. Valentin pour Chassieux. Allez Valentin. C'est plutôt. Les derniers buteurs maintenant, les derniers tireurs pour les deux équipes. Lucas pour Jeunesse. Belle arrêt, parfait pour capter par Dylan, le gardien de Chassieux. Au tour de Mohamed maintenant qui s'élance face à Sébastien. Allez Mohamed, a eu tant de gestes techniques. Sur une magnifique note de Chassieux Tessines. Un moment! Et la victoire est pour Jeunesse. Jeunesse qui gagne 8 buts à 5. Bravo l'équipe de Jeunesse face à Chassieux Tessines. Et 8 buts à 5, c'est un bon score. Et Jeunesse reviendra pour la demi-finale en fin de saison. Ce sera donc pour l'avant-dernier match. Ou l'avant-dernier match. On aura droit à la demi-finale de ce grand match pour le challenge. Vraiment deux équipes, un connaissement pour nos jeunes. Vous verrez peut-être celui de leur professionnel de l'Olympus gagner un jour ici même sur cette pelouse du parc Cohen. Please throw the ball. Make intelligent run. Be witness in front of goal. And own every moment. When we play for the fans, that is when we win. Je vais Max. Ah, vous.